Yo, 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 les amis, ce dimanche, bonne nouvelle, je vous l'avais dit hier, c'est activé, c'est activé. On a dépassé les 3 milliards de Pokémon capturés. Profitez-en, essayez d'attraper Canardtichot, il devrait se trouver un peu partout. Canardtichot est disponible dans le monde entier. Et Kangourex, ça c'est pour les Asiatiques qui n'avaient pas et qui ont déjà Canardtichot. Mais nous, ici en Europe, en Amérique, partout, on peut capturer Canardtichot pendant 48 heures. Vous avez 48 heures pour attraper Canardtichot. Félicitations les dresseurs. Donc n'oubliez pas, pour Canardtichot, très important, j'ai vérifié, Canardtichot a été activé apparemment à 2 euros matin de notre heure en Europe. Ce qui veut dire quoi? Que là maintenant, et moi, le temps que je fasse la vidéo, il est 10 heures, le temps que j'envoie tout ça dans Internet, ça va encore faire un peu de temps quand vous verrez cette vidéo. Sachez que depuis ce dimanche à 2 euros matin, Canardtichot a été activé pour 48 heures. Donc on a tout le dimanche et lundi pour l'attraper. Mais comme il était activé à 2 euros matin, à 2 euros matin lundi, donc à 2 euros matin mardi, ce sera fini. Voilà. Donc 48 heures pour attraper Canardtichot, je pense que ça va être suffisant. Il va falloir se balader un petit peu, essayer de le trouver. Des canards, il y en a dans le parc, non? Profitez-en les amis, 48 heures pour Canardtichot, c'est la seule occasion qu'on a ici en Europe pour l'avoir et faire notre Pokédex complet, ce serait trop génial. Enfin, il nous manquera toujours Tauros et d'autres régionaux, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, Canardtichot, fallait le faire celui-là. Profitez-en, 48 heures pour Canardtichot. Et voilà, et comme une nouvelle ne vient jamais seule, je vais vous montrer quelque chose. Je suis très heureux, yo, 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 de vous dire que j'ai enfin obtenu un pass pour un raid EX. Alors, est-ce que ce sera Mewtwo? Est-ce que ce sera Ho-Oh? Parce qu'il paraît qu'hier, il y a eu des tests Ho-Oh au Japon en raid EX. Apparemment, c'était des tests très privés. Peut-être ceux qui font le Pokémon Global Travel ont fait ce raid, je ne sais pas. Mais c'était vraiment très localisé, très localisé au Japon. Il y a eu un ou des tests EX avec le légendaire Ho-Oh. Donc, ici, on verra. Ce sera au mois de décembre. Normalement, la génération 3 arrive au mois de décembre. On n'a pas plus de précision, mais ça devrait pas tarder. À mon avis, cette semaine, Niantic va nous annoncer encore pas mal de choses. Enfin que ça bouge. Mais je suis très content. Je vais pouvoir faire un V2X et je vais essayer de le filmer. Bon, les amis, allez, n'oubliez pas, c'est la journée du Canardtichot. Bonne chasse, bon raid et à très bientôt, les amis. Ciao, n'oubliez pas un petit pouce bleu. On va aller chasser le Canardtichot. Salut, en plus, on dirait qu'il ne pleut pas, donc ça, c'est génial. À bientôt, les amis. Yo, bon Canardtichotage! Peace.